L'Australie reporte sine die l'introduction de la taxe dite backpacker. Elle annulait le régime fiscal privilégié accordé aux jeunes routards détenteurs d'un visa vacances-travail. Leur revenu devait être taxé à 32,5% dès le premier dollar, à la veille des législatives du 2 juillet. Face à l'indignation du monde agricole, sa base électorale, le Premier ministre conservateur a fait marche arrière. Il est indéniable que la taxe dite backpacker pose plusieurs problèmes et c'est pourquoi nous allons la revoir, a-t-il déclaré. Les jeunes routards étrangers sont actuellement exemptés d'impôts sur les premiers 18 000 dollars australiens qu'ils gagnent. Les maraîchers, comme l'industrie du tourisme, craignent que la nouvelle taxe ne les prive de cette main-d'œuvre saisonnière qui dépense par ailleurs l'équivalent de 3 milliards d'euros par an dans le pays.